Salut, c'est Maillard, nous allons expérimenter dans notre labo une autre combinaison pour les survivants, qu'on va appeler le chapelier fou. Le concept de cette combinaison, c'est pas forcément de fonctionner entre ses compétences, mais bien de surprendre, toujours avoir un élément pour renverser la situation, pour essayer d'apporter un élément de surprise. Et pour cela, nous allons utiliser 4 compétences. Nous allons utiliser la compétence coup décisif, qui, en soi, permet de se dégager de l'épaule d'un tueur s'il nous ramasse après qu'on se soit fait décrocher. Deuxième compétence, qui est diversion. En gros, ça consiste à lancer un caillou pour faire diversion, donc, et pour attirer l'attention du tueur. Et pour cela, il y a des conditions à remplir, notamment rester dans l'aura de terreur du tueur pendant un certain temps. Troisième compétence, de front, qui permet de sortir d'un placard et de taunter le tueur. Il faut rester 3 secondes d'abord dans le placard. Ça peut permettre de renverser également une situation. Et dernière compétence, ça permet de se décrocher tout seul. Libération, mais la condition, c'est de devoir avoir au préalable décroché soi-même un autre survivant. Voilà, nous allons voir ce que ça donne dans la théorie et dans la pratique, et je vous laisse observer. Ok, c'est parti, mon... Ok, on va être avec le chapelier fou dans les marais. Dit comme ça, c'est un peu étrange. Oh, j'ai vu une charmante demoiselle rousse. Ici même. Diversion parfaitement calculée pour attirer le tueur. Il y a une tueuse, hein, finalement. C'est la spirit. Qui est là, hein. Ah, évidemment, on avait fait exprès. Hein, chapelier foufou, fifou. Ce qui serait d'ailleurs foufou, fifou, c'est qu'on trouve la ruine. Ou alors, plan B, on répare ce qui doit l'être. Oh non, est tellement loin, Lucifer. On va récupérer, il y aura Chili, elle va venir vers ici, à moins évidemment qu'elle soit sur les miches de quelqu'un d'autre pour le blesser, ce qui n'est pas impossible. Voilà, sécu, FD. Est-ce qu'elle va lui faire regretter son passage? Ouais, la petite... Oh non de Dieu. Oui, je suis en train de voir mes mails en même temps, oui. Réparer le moteur. Un gros problème. Ne faites pas ça. Ne sauvez pas le monde en regardant vos mails. Vous pouvez le regretter. Et louper vos QTE. Et je présume, néanmoins, cependant, toutefois, qu'elle est pas loin. Ah, tu as les miches de quelqu'un. Non! Allez, bien voilà! Boum! Allez! Alors, retournez vers l'autre. Eh bien, bravo! La spirit, quand même, c'est assez moche pour activer ma perle de cailloux. Hein. Je peux plus me soigner, les rester sur l'autre, peut-être pour le tunnel. Aucune idée, je les mind. Oh, merci! Merci d'avoir fait rayonner ma journée! Ok, chapelier fou dans les quenouilles. Un film de Night Shyamalan. Ok, très bien. À moins qu'elle soit très en colère, comme c'est le cas là. Et bah, du coup, elle va faire tourner comme des mouches nos camarades. Elle va le ramasser ou elle est en train de tuer quelqu'un d'autre? Aucune idée. Elle va le ramasser. Allez, j'ai le temps de finir celui-là, au moins pour la postérité. Et si elle vient me mettre à terre. Le problème de ça, c'est que je vais pas pouvoir activer ma compétence. Ok, on essaie de faire un body block. C'est une belle mentalité. Ah, il faut que je m'en aille. Ou comme disent les Lyonnais, que je m'en aille. Ok, quelqu'un a décroché direct. Ouais, possible. Alors, je vais essayer d'aller voir si... on peut faire quelque chose.
réparer un moteur ou quoi. Faire mon boulot, quoi. Non ! Ah, le pas de bol ! Oh non ! Oh non, j'ai cru de l'avoir aperçu en haut ! Oh non ! Chapelier foufou fifou. Quelle tristesse, quel dommage. Ouais, sur les ouais, sur le plus proche. Les autres vont réparer un moteur. Ouais, qui vient m'aider. Aucune idée à savoir si c'est là. Ah, les pires conditions réunies. Allez mon gars. Qui n'est pas une... Ah ouais, qui n'est pas un gars. C'est Nancy. Mon gars Nancy. Allez, soignez-moi. C'est Nancy. C'est Nancy. Ok, quelqu'un d'autre arrive, quoi. Bon. Merci Nancy. Nous avons un moteur par là. Ouais. Est-ce qu'elle va revenir vers moi? Aucune idée. La perte du caillou activée par le, l'esprit, c'est très compliqué. Vu qu'elle pop, dépop, elle a des rayons de terreur assez réduits dans ce cas-là. Et du coup, pour faire augmenter la jauge de mon cher élément, ma chère perk, ça va être un peu compliqué. Il aurait fallu que j'aie joué un peu plus... toxique avec ce personnage plus présent, plus oppressant. Allez viens, allez, j'ai plus qu'une paire qui peut fonctionner ou quoi. Allez viens, aucune idée à savoir si t'es en haut ou en bas. Oh. Oh non. Non, t'as dû venir. Devant moi. Allez, viens devant moi. Allez, si tu passes devant moi, mon gars. Boum ! C'est comme ça qu'on fait ! Alors, eh oui, ah très bien, ah ce coup de courir jusqu'au bord du trou et de revenir dans... Ah non, elle va me voir, elle va savoir. Coucou. Ah non. Oh non, ça a bien marché la première fois. Bon, on a fait quand même un moteur. C'était très drôle. J'ai cédé, j'aurais pas dû sortir. J'ai cédé. Ok, un genre d'agitation. Finalement. Pas agitation. Pas du tout à perc du... Ouais, c'est ça. L'analyse est la suivante. J'aurais dû... utiliser la perque du... Attention, donne-moi le coup. Aïe. J'ai pris le coup. Plus personne. Me laisse y aller. Le petit DS qui va bien. Ah, petite frime, j'aurais dû donner un petit coup de couteau. Dans le dos. Au moment où un petit lancer de caillou, ça aurait pas été de trop. Ah Nancy qui a une dette de miche pour moi. Allez Nancy, elle revient. Au revoir. C'est Nancy. Final scene.
Ok. On va aller chercher. J'étais accroché, je suis en P3. Ah, c'est pas mal. Mais du coup, ça permet vraiment de réfléchir à la combinaison. Parce que la réflexion est la suivante. J'aurais utilisé le lancer de cailloux au moment où je me suis retrouvé au bord du trou. C'est-à-dire qu'au moment où elle m'a cherché en bas, j'aurais dû lancer mon caillou. Ah, normalement, ils vont finir un moteur dans pas longtemps. Allez, je vais arriver là, ils vont finir le moteur dans pas longtemps. Ah non, à moins qu'ils aient arrêté. C'est ça, ils l'ont arrêté. Allez mon gars. Quoi, tu me protèges? Elle campe là-bas. Aucune idée. Je vais quasi l'ouvrir. Elle protège mon corps. L'autre a été libéré. Prenez-moi. Des fois, quel autre qui arrive par là? Comme ça, on va aller faire un petit bodyguard. Alors, protection de la nanocy. Et on va aller exfiltrer l'autre camarade qui doit être dans un état. Manga. Exfiltration en action. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu lui cours après? Où est-ce que tu lui cours après? Aucune idée. Hein. Bon, pas visiblement par là. Allez. Ah non, on aurait dû rester là-bas. Après, on n'a pas... On n'a pas Borrow Time, enfin pas moi en l'occurrence. Oh, tu la laisses là. Ah bah ouais mon gars, tu veux donner... Ah. Oh, c'est parti mon... Bien, maintenant que nous avons vu la théorie, nous allons passer à la pratique avec le chapelier fou, Ace Visconti et oh, des camarades, notamment un en Legacy. Bon, j'espère qu'il fait la ruine, ça serait vraiment foufoufifou et assez bif-bof pour les tueurs de se retrouver avec une ruine détruite dans 3, 2, 1... Oh, quel dommage. Ça partait plutôt bien. J'espère qu'il va venir faire... Il est parti du coup. À la recherche. Oh non, il est là. Mais non. Allez, salut. Il a vu l'autre. C'est Myers. J'espère qu'il m'a pas su mes miches avec les éraflures. Éraflures avec un Z majuscule. Est-ce que je tomberai par hasard sur la ruine au passage? La réponse est non. Là c'est compliqué, là ça commence à être un peu compliqué vu la vitesse à laquelle Myers est passé en P2. Eh bien, je dirais qu'il n'a pas la capacité illimitée, qu'il n'a pas pris un accessoire fuchsia pour nous la mettre dans le dos. Pour l'instant, côté QTE, ça va à peu près. J'ai dit à peu près. Donc, on va essayer de faire un moteur au mépris de la ruine. Du moins, oh non, bon, il en suit un. Il doit y avoir par contre des accessoires qui lui permettent de rapidement gagner en voilà, là c'est on est un peu dans une mouise couleur arc-en-ciel. Il va avoir également de... mais non, il y en a eu deux, mais sérieusement. Ah non, mais là c'est chaud là les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé les gars?
Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je fais comme je peux, mais je m'en prends un coup dans la nuque derrière. Hein. Ouais, suis l'autre ou pas? Moi. Il revient par là ou quoi? Aucune idée. Et avoir la perque d'augmentation de cailloux, de lancer de cailloux, alors que l'aura terreur est réduite chez Meyer, bah, ça va être très compliqué. Allez mon gars, oh non, il la tunnel. Bon écoutez, je peux me sortir tout seul, mais... Non! Il est revenu! Il majuscule. Ne reste pas là, ne reste pas là, non! Ne fais pas ça! Ah, il lui a pompé son swag ou quoi? Faut que je fasse le tour. Il a tunnel sans vraiment le tunnel. C'est-à-dire qu'il l'a mis à terre. Je l'aurais fait pareil, mais il l'a pas ramassé. Parce que ça aurait pas été très jojo, pas très lili, pas très joli. Ok. Revenez là, revenez là. Non, non, non. Non. Ok, c'est un peu moche. Hein. Oh, très bien, excellent. Bon, il va revenir par là. J'ai activé ma compétence. De. Décrochage. Un seul moteur de fer. Trois crochets. C'est tellement pas rentable. Tellement, tellement pas rentable. Je vais l'accrocher là. Ah, t'es bien de finir ce moteur. Ah, ça va être compliqué. C'est très très compliqué. Je m'ai toussé. Il a dû voir quelqu'un d'autre. Ouais, je fasse attention. Hein. Allez mon gars. C'est l'orienteur qui est très réduit de maillard pour activer ma perque de cailloux. C'est très compliqué. Bon, il est sur quelqu'un d'autre. Il est sur quelqu'un d'autre, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, ça va. Je ne suis pas l'obsession néanmoins. Krillin. Ok, alors ça c'est bon, il est en train d'en poursuivre un juste ici. On va réparer les moteurs, hein. On va garder l'effet de surprise. Pour dès qu'on pourra, on va faire les moteurs au milieu, genre celui-là, pour ne pas nous retrouver dans une panade couleur arc-en-ciel. Il est en train d'en suivre un, hein, je crois. Hein. Ça, il est en train de le mater, si ça se trouve. Faut que je fasse gaffe à ce qu'il apparaisse pas tel. Enfin, j'entends une respiration soudaine. Qui me met des paniques dans les papillons. Oh, ok, très bien. Pour l'instant, côté surprise, ça va. Faut que je fasse juste attention à pas faire n'importe quoi. Wow, 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 mon gars. Eh bien, c'est ce que je voulais dire par pas faire n'importe quoi. Il doit probablement avoir. Voilà ça! Non! Non! Ah, j'aurais dû sauter direct. Bon, fais un moteur. J'aurais dû sauter direct. J'ai eu la seconde d'hésitation, la demi-seconde fatale. Il m'a fait ne pas sauter par-dessus. Oh, salut mon Jake. Eh bien, pas mal finalement. Il veut profiter de son... une attaque en P3 pour revenir sur tout le monde. Alors là, il va revenir vers ici, normalement, hein, c'est ce qui va se passer. Parce qu'il est en P3, il va essayer d'en profiter pour aligner un maximum de monde. Non, il continue. Très bien, pourquoi pas. Pas tout à fait ce que j'aurais fait, mais soit. Hein. Okay, il a posé un P1. Pour l'instant, on trouve un jeu d'équilibre un peu... limite. Reviens par là. Ah, c'est ça. Wow. Alors là, fais pas deux fois, hein. Wow, 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 wow. Et là, non. Ah,
Ah, oh, j'avais vu l'ombre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un moteur qui se fait là-bas. Non, non. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Faut me décrocher tout seul. S'il le faut. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Allez, celui-là. L'autre. Il reste pas loin de moi ou quoi? Ils sont tous ici. Allez, ciao les gars! Boum! Effet de surprise! Il reste où? Il reste sur eux. On va garder un angle de vue. Hein. Des fois que. Est-ce qu'il va revenir vers ici? Est-ce que j'aurais le temps de réparer le moteur? Il a vu les autres donc. La théorie voudrait non pas qu'il accroche celui-là. La théorie. Voilà! Mais c'est qu'il les poursuive les autres! Et s'il vient vers moi, eh bien, j'ai le decisive strike. Et si la surprise est telle que, grâce à mon auto-décrochet, je répare le moteur, et donc, il y ait des adrénalines qui se déclenchent, ce serait tellement cool. Mais ce n'est pas le cas. On a fini par réparer le moteur, il est en train d'en suivre d'autres, et on va surtout se... cassé. Désolé Darcia. La surprise est de taille. On n'a pas utilisé le caillou, mais on avait toujours un élément pour surprendre les autres. Et ça, c'est le plus important. Toujours un élément. Désolé Darcia. Pas mal. Abonne-toi. Active la notification, Myers. Voilà pour la théorie et la pratique des compétences qui surprennent du chapelier faux. À très vite pour d'autres tests, d'autres expérimentations. En espérant que... quoi, personne d'autre ne tombe? Personne d'autre ne tombe? Allez, on va faire une petite alerte. Juste ici, voir ce qu'il en est. Il y a un par ici, Myers. Ah non, il va en faire tomber un. Hein.